Bienvenue à cette grande édition du journal à la langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, les titres de ce journal. Le Rwanda annonce que la cérémonie annuelle de dénomination des bébés gorilles, Kwitizina, se tiendra le 1er septembre 2023 à Kinigi, c'est au nord du pays. Clôture à Kigali ce vendredi de la conférence All Women Together, une conférence qui rassemble largement les femmes venues de tous les coins du monde chaque année pour échanger des sujets divers visant la promotion du principe du genre. Les industriels au Rwanda se félicitent des avantages tirés de l'installation de la zone économique industrielle à l'intérieur même de la ville de Kigali, car cela a contribué à l'essor économique et au développement du taux de croissance de la production industrielle du Rwanda. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le Rwanda annonce que la cérémonie annuelle de dénomination de bébé gorille, Kwitizina, se tiendra le 1er septembre 2023 à Kinigi, au nord du Rwanda. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des efforts du pays de sauvegarder la biodiversité et de développer le tourisme. Le point avec Jean Damasène Manichim. Cette 19e édition de la cérémonie de nomination des gorilles Kwitizina Kinyarwanda va se dérouler au pied des volcans à Kinigi dans le district de Musanze au nord du Rwanda. Un événement annuel qui rassemble diverses personnalités venues du monde entier pour se joindre aux communautés avoisinant cette réserve naturelle, demeure des gorilles de montagne dans l'optique de la célébration ultime de la nature et de sa conservation. Cette cérémonie verra la nomination de 22 bébés gorilles nés au cours des 12 derniers mois. 374 bébés gorilles ont été nommés depuis le début de cette cérémonie qui s'est tenue pour la toute première fois en 2005. Comme à l'accoutumée, la cérémonie sera rehaussée par des défenseurs de l'environnement, des personnalités internationales locales, des dignitaires et des amis du Rwanda. Un moyen de mettre en valeur les efforts de conservation du pays, y compris l'approche réussie du tourisme des gorilles à faible volume et à haute valeur ajoutée, qui a permis à la population des gorilles de prospérer et d'offrir des meilleures expériences aux visiteurs. Les statistiques actuelles du tourisme montrent que le Rwanda a généré 247 millions de dollars américains au premier semestre de 2023, soit une augmentation de 56% par rapport à 158 millions de dollars américains récoltés au cours de la même période en 2022. L'Office rwandais de développement, qui a en charge la gestion des parcs nationaux, indique que la tendance montre que 2023 devrait rapporter davantage. Ainsi, les communautés en profitent plus, les touristes bénéficient d'expériences améliorées et les populations de gorilles prospèrent grâce à toutes les parties prenantes qui participent activement à leur conservation quotidienne. Pour aider davantage la population, depuis 2005, le Rwanda a lancé un programme de partage des revenus du tourisme à la population en orientant les investissements dans les zones entourant les différents parcs nationaux du Rwanda. Dans ce cadre, 10% de tous les revenus des parcs reviennent aux communautés environnantes. Depuis le début de ce programme, environ 9 millions de dollars ont été dépensés pour plus de 1000 projets communautaires autour des parcs nationaux de la Kagera à l'est du Rwanda, de Nyungwe au sud-ouest, des volcans au nord et de Gishwa-Timukura à l'ouest du Rwanda. Clôture à Kigali ce vendredi de la conférence All Women Together 2023, une conférence qui rassemble largement les femmes venues de tous les coins du monde chaque année pour échanger sur des sujets divers visant la promotion du principe du genre. Cette année, cette conférence qui a débuté le 8 août courant a pour thème de la situation de victime à celle de championne. Une initiative qui invite les femmes et les filles à se dépasser pour venir à bout des situations qui, dans le temps, les tenaient à l'écart de la société. Pour en savoir un peu plus, nous sommes en ligne avec Madame Sylvie Muyango, qui participe à cette conférence All Women Together. Donc, elle est donc membre de Women Foundation Ministry and Home Family Church. Bienvenue donc à vous, Madame Muyango. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Pouvez-vous donc nous expliquer c'est quoi exactement cette conférence All Women Together, qui sont donc les participants, et comment avez-vous conçu son déroulement? Bonjour la télévision rwandaise, merci de m'avoir invitée. Effectivement, comme vous le dites, je m'appelle Sylvie Muyango Mukayiranga, je suis membre de Women Foundation Ministries et de Noble Family Church. Comme vous venez de me le demander, la conférence All Women Together, c'est une conférence annuelle organisée par Women Foundation Ministries, justement, qui se tient au Rwanda, principalement à Kigali, et elle a pour visionnaire l'apôtre Mignone Kabera. Et c'est dans cette conférence que toutes les femmes ensemble, donc toutes les femmes sont invitées, toutes les femmes peuvent y participer. Toutes les femmes, qu'elles soient rwandaises, qu'elles soient d'autres nationalités, elles sont toutes invitées. Et je pourrais vous dire que depuis le 8 août, nous avons, dans cette conférence, nous avons réuni 26 pays de différents continents qui sont attendus dans cette conférence. Merci. Le thème retenu cette année est la situation de victime à celle de championne. Pourquoi avoir fait ce choix? Au fait, ce thème vient de la parole de Dieu. Comme vous le savez, Women Foundation Ministry, c'est une organisation d'abord chrétienne, et tout ce que nous faisons, tout ce que l'apôtre Mignone organise, elle prend naissance principalement dans la parole de Dieu. Et ce thème actuel de la victime à la championne vient de la parole de Dieu qui se trouve en Psaume 68, verset 12, qui dit « Le Seigneur a donné une parole et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. » Donc, dans cette parole, il y a un message d'espoir, il y a un message de se surpasser, il y a un message de renouveau, il y a un message de nouvelles possibilités que le Seigneur lance aux femmes qui ont été autrefois écrasées par des situations écrasantes, que ce soit les situations spirituelles ou familiales, les femmes qui ont été abusées, les femmes qui ont eu des embûches dans leur vie, dans leur parcours de femme. Les femmes qui ont fait face à de nombreuses situations de dette, toutes sortes de difficultés en fait que la femme peut rencontrer. Dans ce thème, alors, on apprend aux femmes comment se surpasser, comment sortir de ces cages écrasantes, de ces situations écrasantes, pour parvenir à leur position de victorieuse, à leur position de femme influente. En fait, elles ont été victimes dans le passé, il y a une nouvelle possibilité dans le Seigneur, il y a une nouvelle possibilité qu'une personne, notamment la femme, peut triompher de ce qui a été triomphé d'elle autrefois. Donc, voilà, dans ces mots que je peux vous dire, il y a les femmes qui ont été abusées, il y a les femmes qui n'avaient pas d'estime d'elles-mêmes, mais actuellement, elles ont parvenu à être des femmes influentes dans la société, dans leur famille et aussi dans le pays. Oui, donc cette conférence n'est pas la première. Quelles sont donc vos attentes à l'issue de cette rencontre? En fait, comme toutes les autres années, on voit de nouveaux accomplissements à chaque fois que All Women Together se tiennent. Il y a les femmes qui témoignent vraiment. On a les preuves, on a les témoignages que les femmes ont été victorieuses. Donc, dans cette conférence qui est en train de se dérouler actuellement à Kigali, on s'attend à ce que un grand nombre de femmes
les Kigaliennes, les Rwandaises, les Burundaises, les Canadiennes, les Belges, toutes femmes qui sont venues assister à cette conférence sortent avec un dépôt d'abord spirituel, mais un dépôt aussi intellectuel, un dépôt de nouvelles mentalités pour sortir de la mentalité de victime à celle de victorieuse. Et on s'attend à ce que le Seigneur approuve et éprouve également sa fidélité, parce que à chaque fois, à chaque année, nous recevons des témoignages que les femmes ont été impactées positivement par cette conférence. Et on s'attend encore une fois, en cette année 2023, à un grand nombre de femmes qui vont lever le drapeau pour dire qu'elles ont été victorieuses. Merci beaucoup à vous, Madame Muyango. Je rappelle que vous êtes membre de Women Foundation Ministries and Home Family Church. J'espère l'avoir bien prononcé dans la langue de Shakespeare. La suite de cette édition avec donc la page nationale en politique, en bref et en images. Les forces rwandaises de défense en partenariat avec les forces armées américaines opérant sur le continent africain ainsi que les forces armées de l'État de Nebraska ont clos ce vendredi l'opération de soins apportés aux populations du district de Bugesera, plus précisément au centre de santé de Gachora et de Ngeruka. Au cours de cette opération, environ 2000 patients ont été soignés, une activité qui se poursuivra avec d'autres parties du pays. Le service fourni comprend notamment l'orthopédie, la chirurgie générale, la médecine interne et bien d'autres. Les forces rwandaises de défense se félicitent de cette opération couronnée de succès car elle leur a permis de soigner les patients qui effectuaient des très longues distances à la recherche de soins médicaux. Toujours en actualité, en bref et en image, l'hôpital Roi Faisal affirme que diverses études menées dans cet hôpital sur différentes maladies contribuent à améliorer les services octroyés au sein de cet établissement. Le directeur en charge des opérations médicales au sein de l'hôpital Roi Faisal, le docteur Sendegeya Augustin, déclare que les recherches comme celle-ci aident l'hôpital en termes de qualité des services octroyés. Il est au micro de Arabie. Ici à l'hôpital Roi Faisal, nous sommes très contents pour avoir cette journée inaugurale de recherche. L'importance de cette journée, c'est qu'en tant qu'un hôpital universitaire, un hôpital de référence, parmi la mission, on a une mission de traiter, on a une mission d'enseigner, mais aussi de faire la recherche. Et puis cette recherche va encourager les chercheurs à publier. Deuxièmement, ça va accentuer ou améliorer la qualité des soins qu'on donne aux patients ou aux personnes qui viennent ici à l'hôpital. Mais aussi, il y a une contribution qui est très importante en termes de santé. Donc, c'est maintenant, la tendance, c'est de prendre des décisions qui sont informées. Informées par quoi ? Informées par les résultats de la recherche. Parce que quand on fait une recherche, on a des résultats, mais aussi on met des recommandations. Les recommandations sont là pour essayer d'améliorer ce qu'on fait normalement. Donc c'est une journée qui va être chaque année, mais on pense que dans le futur, on va faire ça tous les 6 mois. Donc c'est très important. Parlons à présent économie. Les industriels du Rwanda se félicitent des avantages tirés de l'installation de la zone économique industrielle à l'intérieur même de la ville de Kigali, car cela contribue à l'essor économique et au développement du taux de croissance de la production industrielle au Rwanda, qui a atteint 10,3% en 2023. À Masoro, dans la ville de Kigali, c'est là que se trouve la zone économique spéciale de Kigali. Actuellement, il existe plus de 150 usines et services de soutien tels que des institutions financières et des sociétés de logistique qui sont construits sur 400 hectares de terrain. Ces différentes usines ont créé plus de 15 000 emplois permanents. Mukishima Nakelen, qui travaille depuis 7 ans dans une brasserie à Masoro, et ses collègues soulignent les avantages et les opportunités qu'ils ont tirés
de leur travail. J'ai commencé à travailler ici quand j'étais encore une jeune fille. Mais maintenant, je suis mariée. Pendant tout ce temps, j'ai essayé d'économiser l'argent provenant de mon salaire. Et aujourd'hui, je peux nourrir sans difficulté ma famille. Je n'ai aucun problème. J'ai appris l'électronique à l'école, mais je n'avais aucune expérience en matière d'opérations de production dans une industrie. Maintenant, je peux tout faire ici. J'ai les compétences nécessaires pour fabriquer un téléviseur en partant des zéros jusqu'à la fin de l'opération. L'Institut national de la statistique du Rwanda a publié en mai 2023 l'indice de la production industrielle qui a démontré que la production industrielle, secteur formel, a augmenté de 10,3% par rapport à mai 2022, contre une augmentation de 9,1% en moyenne annuelle, tandis que la production manufacturielle a augmenté de 23,3%. Différents responsables au sein des différentes industries situées dans la zone économique spéciale de Kigali attribuent ce taux d'augmentation à un résultat positif du plan gouvernemental consacré à la création de zones industrielles. Là où nous travaillons auparavant, ce n'était pas dans une zone industrielle spéciale comme ici. Vous avez constaté que même si nous fabriquions des produits de haute qualité à cette époque, nos produits n'étaient pas reconnus, car rien que l'emplacement de nos usines n'inspirait pas confiance aux clients. En ce qui concerne la préservation de l'environnement, cette zone a mis en place une gestion de déchets qui nous aide à collecter les déchets de notre usine sans nuire à l'environnement. Le ministère de la fonction publique et du travail a démontré que les normes de santé et sécurité au travail sont respectées à hauteur des 45%. Les dispositions contractuelles à 61,1%, tandis que la fourniture de leur salaire par les biais d'institutions financières était de 89,6% et la couverture d'assurance de 89,2%. Les industriels affirment que l'application de ce taux de santé, de sécurité au travail est strictement suivie puisque leurs travailleurs sont les plus susceptibles d'être confrontés à divers accidents de travail. Maintenant, en ce qui concerne les assurances, nous en faisons une priorité car ici, chaque employé a une assurance parce que vous ne pouvez pas travailler dans une telle usine avec ces équipements sans avoir une assurance. Ça signifie que leur environnement est sécurisé. Le problème de l'insuffisance des matériels premiers nécessaires au traitement de la production reste l'un des obstacles exprimés par ces industriels. Beaucoup de matières premières utilisées ici sont importées, ce qui nécessite une autre procédure d'importation de ces matières premières au Rwanda, même s'il est nécessaire de compléter une telle procédure, mais cela retarde puisque certains matériels et produits traînent à Majerwa, mais aussi en chemin, depuis leur point de départ, surtout ceux qui ne sont pas fabriqués au Rwanda. Au premier trimestre 2023, le produit intérieur brut, PIB, du Rwanda a atteint 3 901 milliards de francs rwandais contre 3 021 milliards de francs rwandais au premier trimestre 2022, où le secteur industriel a contribué à hauteur de 22%. C'est là que la directrice générale de la zone économique spéciale de Kigali, Jeanne Isabelle Gassana, démontre le rôle de cette zone dans le développement du pays. Cela a vraiment aidé le gouvernement du Rwanda à réduire le niveau d'importation, car ici vous trouverez de nombreuses industries qui fabriquent des matériaux de construction. D'autres produisent des produits alimentaires transformés, tels que les sorgots et la bouillie des maïs, qui aident diverses familles qui sont encore à la traîne en raison
des problèmes de malnutrition, mais aussi à nourrir les femmes enceintes. Ces industries contribuent beaucoup à l'économie nationale, notamment en payant des impôts, en fournissant des emplois aux résidents locaux et en développant les compétences de jeunes Rwandais qui n'ont pas eu la possibilité d'étudier. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite passer un excellent week-end en notre compagnie.